Yo, ça a été long parce qu'on l'a attendu. Il y a eu des fausses joies, des fausses attentes. Finalement, ça y est, la Ligue 2, elle est là. Ça a été long, c'est vrai. Mais voilà, on y est arrivé, on n'en doutait pas. Bah, on savait que même si ce soir, il n'y avait pas ce résultat positif, on savait qu'au fond de nous, bah, on allait tout faire pour faire le travail vendredi. Donc voilà, maintenant, c'est chose faite. Maintenant, on va se concentrer sur le titre. On va bien profiter, bien sûr, parce que c'est dur. C'était dur moralement, physiquement, tout, psychologiquement. Donc voilà, maintenant, on va profiter, on va souffler. Mais il y a un titre à aller chercher, donc on va se mettre au travail pour aller chercher ce titre. Toi, comme Miguel Mouret, tu es arrivé dans l'aventure en National 3. Quand tu es arrivé, tu imaginais, 3 ans après, te retrouver là ? Sincèrement, j'y croyais parce que le Sporting, ouais, ça reste le Sporting, le Sporting est immortel. Hein. Donc il s'est toujours relevé, voilà, de chaque catastrophe qu'il y a eu, voilà, pour le club s'est toujours relevé. Donc je savais que voilà, maintenant, comme je disais, voilà, on a su garder notre humilité, on a su rester humble, on a su travailler, on a su par moments l'année dernière faire le dos rond quand on avait 8 points de retard sur Sedan et on n'a rien lâché, on n'a jamais rien lâché. Voilà, c'est l'ADN du club, c'est ce que nous, joueurs corses, on essaie de transmettre justement aux joueurs qui viennent du continent. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant on va continuer parce que le plus dur commence, parce que maintenant le club on l'a remis à minima à sa place. Je dis bien à minima. Parce que non, le plus dur commence, parce qu'il faut pérenniser le club au moins en Ligue 2 et voir plus haut plus tard.